Si c'est le cas, bien tant mieux. Si jamais vous avez des questions de dernière minute ou des commentaires à me transmettre, je serai ici à la sortie près de la passerelle pour répondre à vos questions ou accepter tout commentaire que vous pourriez peut-être avoir. Assurez-vous avant de quitter le bateau d'avoir tous vos effets personnels, bien sûr, hein, vos sacs, vos caméras, vos tablettes, tout ça. Pour l'instant, vous inviterez à demeurer assis et assise où vous êtes, tel quel. Le temps qu'on accoste, qu'on installe la passerelle, parce que nos matelots ont besoin de place pour travailler et installer la passerelle. Mais dès qu'on est prêt, il vous redescend. Et ensuite, je vous inviterai à venir vous rejoindre du côté tribord, ici là-bas, à l'avant du bateau. Juste ici sur la poupe, à l'avant de débarquer. Donc, sinon, c'était un plaisir de vous avoir à bord. Merci beaucoup. Et donc, au nom des capitaines et mon équipage, on souhaite à tous et à toutes un bon retour à la maison. Ou à l'hôtel, ils vont être très agréable de séjour avec nous ici à Québec. En ce moment, sinon, merci beaucoup. Passez une très belle journée. Dans une prochaine fois. À la prochaine. So folks, in a few moments here, we'll reach our docks. This will put an end to our short expedition together. I hope you enjoy the cruise and learn a few new things on your back at the river, mainly. If you have any last minute questions or comments, I'll be right here by the exit on the starboard side here on the bow of the ship. That's where we're going to set up the gangway eventually for the disembarkment. But now we'll please ask you to stay where you are. You can remain seated. There's no rush. We'll have to stabilize the boat.